De la radio Congo Vision, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver ce samedi 9 avril 2016 pour une autre édition de notre programme spécial Diaspora. Spécial Diaspora est un programme qui vous parvient de l'État de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. À la présentation, votre compatriote Dr Sylvestre Ngoma. Pour notre entretien d'aujourd'hui, nous recevons depuis Washington DC un compatriote congolais-américain, puisqu'il est naturalisé américain, qui anime une émission très suivie à la Voix de l'Amérique. L'émission s'appelle donc RM Show, en anglais RM Show. Notre invité s'appelle donc Monsieur Roger Muntu. Monsieur Roger Muntu, bonjour. Bonjour, docteur Sylvestre Ngoma, c'est un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors, nous allons parler de votre show, RM Show, de votre carrière, de votre intégration aux États-Unis. Parlez-nous un peu de vous, de votre intégration aux États-Unis, de votre background académique et professionnel. Qu'est-ce qu'il faut-il pour réussir aux États-Unis comme vous? Mais je vais commencer avec voilà mon background, comme vous dites, professionnel. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 28 ans et j'ai terminé mes études ici. J'ai terminé mon université ici. Je suis allé à l'université où j'ai eu un baccalauréat en Information System Technology, qui est informatique. Ah bon, et, pour moi. Voilà, exactement, spécialisation en networking et avec un minor en management aussi. Et j'ai commencé à travailler aussi sur mon master en relations internationales et politique internationale aussi. Voilà, donc c'est ça que je fais comme étude. Mais entre-temps, j'étais aussi un autodidacte journaliste. Donc du coup, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé comme professeur dans une université college ici à Washington, en Virginie en fait pour être plus précis, mais j'enseignais aussi à temps plein au high school ou au lycée comme on dit. J'ai donné des cours là-bas, mais entre-temps quand j'ai donné cours, j'ai continué à faire mon journalisme dans mon studio chez moi à la maison, et c'est comme ça que la Voix de l'Amérique en fait m'a découvert. Oh, mais ça, c'est très intéressant. J'ai eu à enseigner le broadcasting moi aussi. Hein. J'ai enseigné TV and radio broadcasting ici dans un high school pendant au moins 6 ans, et je gérais une station de télé scolaire pendant 14 ans ici en Caroline du Nord. Alors, vous faites partie d'une équipe de professionnels des médias, d'une grande chaîne de radio américaine. Vous venez d'en parler, La Voix de l'Amérique. Alors, laissez-moi un peu donner un petit contexte à nos auditeurs. La Voix de l'Amérique a une audience internationale estimée à plus ou moins 164 millions d'auditeurs. Elle émet en 45 langues, dont le français et l'anglais. Et La Voix de l'Amérique est donc le plus important réseau de tous les réseaux satellites de Broadcasting Board of Governors du gouvernement américain, qui attire plus ou moins 80% de l'audience internationale des organes médiatiques des États-Unis. Alors, votre programme RM Show est l'un des programmes le plus suivi. Alors, comment vous gérez votre succès professionnel? Mais docteur, le succès professionnel, je dois dire, est
physionomie du programme, même de ce programme RM Show, qui est d'abord un programme musical et aussi socio-culturel. On débat des sujets socio-culturels dans cette émission. Ce n'est pas seulement la musique, mais nous interviewons aussi des personnalités très connues dans le monde, mais aussi nous débattons, comme j'ai dit, des sujets socio-culturels qui nous concernent chaque jour dans la vie. Et c'est ce qui a fait un peu de ce programme-là un succès mondial, parce que les gens qui écoutent cette émission-là se retrouvent dans des sujets que nous débattons, mais aussi dans le fun, la musique, l'animation aussi dans cette émission. Et c'est ce qui a fait un peu de le succès de cette émission, si je dois dire ainsi. Alors, à Voice of America, à la Voix d'Amérique, qu'est-ce qui vous a le plus surpris positivement jusque-là? Vous êtes parti de M2 Show, qui était une initiative personnelle. Mm. Alors là, vous vous retrouvez dans une grande chaîne comme La Voix de l'Amérique. Qu'est-ce qui vous a surpris positivement? Alors, ça, docteur Sylvestre, c'est une très, 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 très bonne question, je dois le dire, je dois l'avouer. Ce qui m'a surpris, c'est que, comme je l'avais dit au début de cette émission, j'ai construit mon propre studio à la maison. Et la première des choses qui m'a surpris à la Voix de l'Amérique, c'était les studios que ces gens ont dans cet immeuble-là. Et je dois dire, ils ont plus de... Avec mon petit studio à la maison, c'est vraiment comparé à ce que j'ai vu quand ils m'ont appelé pour des interviews là-bas à la Voix de l'Amérique. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Ils ont plus de 450 studios radio. Plus de 450 studios radio et plus de 200 studios télé. Oh là donc c'est énorme, et voir juste l'organisation de cette boîte, la préparation des émissions, le professionnalisme qui règne, c'était pour moi, comme j'ai dit, c'était comme un enfant, vraiment dans un magasin de jouets. Donc quand ils m'ont appelé pour me proposer de travailler pour eux, je ne pouvais vraiment pas me retenir, je ne pouvais pas dire non. Et en parlant de RM Show, qui est mon émission radio, l'émission a tellement fait trop de bruit, trop de succès, qu'ils m'ont donné maintenant une émission de télé qu'on appelle Vous et Nous. Très intéressant. Alors, avec RM Show, avec M2 Show, qui était une initiative personnelle, vos émissions étaient essentiellement des interviews avec des Africains francophones, mais à la Voix de l'Amérique, vous pilotiez magistralement les RM Show dont vous venez de parler. Donc, les M2 Show, c'est en quelque sorte mué en RM Show. Le style est totalement renouvelé, mais le contenu est presque le même. On vous retrouve là avec votre vivacité, votre passion, votre énergie et votre sens d'humour. Donc c'est le même Roger Montout qu'on retrouve. Parlez-nous un peu de la genèse de votre entrée dans le monde des médias et surtout de la Voix de l'Amérique. Quel est, selon vous, l'élément catalyseur? Qu'est-ce qui a servi de tremplin pour intégrer la Voix de l'Amérique? Et ça, encore une fois, c'est une très, très bonne question, docteur. Je comprends que vous m'avez bien suivi depuis mon départ, depuis mes débuts. vous avez bien décrit ces deux émissions-là, M2 Show et RM Show. Et vous avez totalement raison en disant que j'ai gardé un peu le même style, un peu l'humour, un peu le même Roger qui était dans M2 Show. Et la seule différence ici, vraiment, c'est que c'était maintenant le RM Show devient à un niveau beaucoup plus international. Donc ce n'est pas seulement basé sur les Congolais, de chez moi en RDC, en République du Congo, mais c'est beaucoup plus l'Afrique francophone en général, et même anglophone de fois, parce que nous sommes aussi implantés dans quelques pays anglophones en Afrique. Le Nigeria, ils ont pris cette émission-là aussi, et Ghana aussi a pris cette émission-là aussi. Donc, quelque part, nous sommes aussi implantés dans quelques pays anglophones. Alors, je crois, pour répondre à cette question, ce qui a déclenché vraiment le succès de cette émission, c'est d'être soi-même, d'être moi-même, et de garder les pieds sur terre. Parce que je n'ai rien fait de différent, dans ce que je faisais dans M2 Show.
seulement c'est à un niveau international. Les auditeurs qui nous écoutent, ils ont besoin qu'ils soient respectés, ils ont besoin d'être appréciés, ils ont besoin d'être reconnus, et tout ça, ils sentent ça. Ils sentent, nous les hommes de médias, quand on écrit, que ce soit sur Congo Vision ou quand on fait des interviews sur Congo Vision, sur VOA Afrique, La Voix de l'Amérique, tout ça, l'auditeur qui nous écoute, comme les auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant à Congo Vision, doivent être rassurés que nous sommes en train de leur parler sincèrement, que nous ne sommes pas en train de diffuser des informations fausses ou pour nous faire valoir ou je ne sais pas moi. Et c'est ça un peu ce qui a fait le succès de cette émission. Les gens à qui je parle, Dr Sylvestre, chaque jour, se retrouvent en moi et se disent « celui-là, c'est un de l'autre ». Qu'il soit à Bamako, au Mali, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou à Brazzaville, au Congo, ou chez moi, en RDC, tous ces gens se retrouvent et ils se disent « mais ça, c'est un de nôtres, on se retrouve en lui ». Et c'est comme ça que c'est ça qui a déclenché un peu le succès de cette émission. Et là, nous encourageons tous les Congolais qui ont des initiatives personnelles, qui ont lancé leur site internet, qui produisent des émissions audiovisuelles et même dans la presse écrite. Mais il faut qu'ils prennent leur travail très au sérieux, comme vous l'avez fait. Vous êtes un exemple à suivre. Évidemment. En termes de préparation, en termes de conception, de réalisation, de contenu. Aujourd'hui, on retrouve des pharaons de la presse du Congo dans le net. On retrouve des dieux de la presse. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens-là sur le plan de la préparation, du contenu, de la présentation de ce que vous faites? Docteur, vous l'avez si bien dit en posant cette question, en disant que la préparation de cette émission-là est très importante. Quand j'ai commencé le M2 Show, je me suis dit à moi-même, à personne d'autre, à moi-même, je me suis dit, si je dois mettre mon visage, ma voix, que le monde voit ça là-dehors, que ce soit sur YouTube, sur le net, ou que ce soit sur une chaîne de télé, je ne sais pas où, cela doit être bien réfléchi, ça ne doit pas être du blabla qui sort là-bas, et non seulement ça, mais la présentation même de l'émission, le concept, l'idée, même l'introduction de l'émission, tout doit être bien réfléchi, pour que l'auditeur qui consomme, ou le téléspectateur qui consomme cette émission, sache apprécier ce travail. Et comme je vous dis, docteur Sylvestre, j'étais chez moi, à la maison. D'abord, non, c'était même pas à la maison, j'étais en train d'enseigner ce jour-là, je me rappelle, comme si c'était hier. Ma secrétaire à l'école m'appelle et me dit « Monsieur Mountou, vous avez un coup de fil ». Moi, j'ai dit « C'est qui m'appelle ?» On me dit « C'est la voix de l'Amérique ». Ah bon ? Ouais, on me dit « C'est la voix de l'Amérique ». Moi, j'ai dit « Attends ». Où est-ce qu'ils ont trouvé mon numéro de téléphone, c'est qui, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, je ne sais pas. Je me suis dit, peut-être qu'ils veulent une interview ou que m'interviewer en tant que Congolais, je ne sais pas. Alors j'ai dit, je me suis excusé auprès des élèves, je suis allé répondre au téléphone, c'est une dame qui m'a appelé qui dit, Monsieur Mountou, ici c'est la Voix d'Amérique, on veut vous parler, est-ce que vous pouvez passer nous voir le vendredi à la Voix d'Amérique? Moi j'ai dit, c'est pourquoi, pourquoi vous voulez me parler? La dame dit, on voulait vous offrir, on voulait vous proposer une position ici à Voix d'Amérique. Moi, j'ai dit, mais d'accord, madame, je passerai. Wow. Et le vendredi, je suis allé, j'arrive au bureau, monsieur Sylvestre, j'arrive, il y a 5 personnes qui sont assis, on me dit, voilà, monsieur Mountou, on t'a suivi pendant 3 mois sur tout ce que tu es en train de faire sur le net. On a beaucoup apprécié, on a vu beaucoup de gens qui sont en train de faire ça, mais on a vu tout ce que tu es en train de faire, on a beaucoup apprécié et on a une émission ici qui serait vraiment bien pour toi. Alors, moi, j'ai dit, ah bon, vous êtes sûr? Moi, ils ont dit oui. Moi, j'ai dit, mais c'est quelle émission? Moi, j'ai fait des émissions de télé. J'ai jamais travaillé à la radio toute ma vie. Moi, mes émissions, c'est télé. Ils m'ont dit, bah, écoute, seulement la différence, c'est que ici, c'est radio. Et on croit que tu seras la meilleure personne. Moi, j'ai dit, mais d'accord, j'ai jamais fait la radio dans ma vie, mais je vais quand même essayer. Alors, ils ont dit, d'accord, tu rentres chez toi, on va t'appeler quand on sera prêt. Je suis rentré à la maison chez moi, docteur Sylvestre Goma. Ils m'ont pas appelé. Ils m'ont appelé 9 mois après. 9 mois après. Wow. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié même que ces gens m'avaient appelé. J'avais complètement oublié. J'ai continué à enseigner. J'ai continué. 9 mois après, ils m'appellent. Ils disent, Monsieur Mountou, vous vous rappelez de nous? C'est la Voix de l'Amérique. Et vous venez ce vendredi et vous commencez à travailler. Et aussi là, après. Nous sommes en 2009. Exactement. En 2009. Ouais, 2009.
Attendez, pour bien réfléchir. Non, est-ce que c'est 2009? Non, c'est pas 2009, je dois me tromper là. C'était parce que j'ai fait 5 ans avec eux. 5 ans avec eux. Donc c'était en 2011. 2011, voilà. 2011. 2011. Et là, je suis allé ce jour-là. C'est difficile de décrire ce jour-là, docteur Sylvestre, parce que ce jour-là, j'arrive au bureau, on me donne un bureau. À 15h, on me dit, messieurs, vous allez monter à l'antenne, vous allez faire votre émission. Moi, j'ai dit, quoi? Je vais faire quoi? Il dit, vous allez faire l'émission. J'ai dit, mais je n'ai jamais parlé à l'antenne. Vous comprenez que je n'ai jamais parlé à l'antenne? On me dit, oui, mais vous avez de l'expérience. Allez-y, ça va marcher. Alors, quand j'entrais, j'ai dit, bah, d'accord, je vais essayer. Mais quand j'entrais dans ce studio-là, je me suis réconforté, je me suis dit, ben voilà, je suis tout seul, personne ne m'écoute, personne ne me voit, donc je suis tout seul, je peux dire tout ce que je veux, et ça ne me dérange pas. Alors, quand j'entre au studio, mon boss m'appelle et me dit, monsieur Montou, rappelez-vous que 175 millions d'auditeurs vous écoutent. J'ai dit, mais non, il fallait pas dire ça, parce que là, du coup, j'ai perdu ma concentration. Tout ce que j'ai pensé pour un peu me calmer ne va plus marcher. Et là, du coup, je suis entré avec l'idée que 175 millions de personnes m'écoutent. Mais la Et là, j'étais... confiance qu'on a eue sur vous, ça, c'était un élément très positif. Exactement. Déjà comme ça, au départ. Au départ. Et après l'émission, je descends, tous mes collègues applaudissent. Ils disent, waouh, on a trouvé le bon monsieur. Tout le monde a... Quand tu fais l'émission au studio, c'est toute la rédaction qui t'écoute. Nous avons des speakers, des baffles partout au bureau. Et quand tu fais l'émission, c'est tout le monde qui t'écoute. Comment tu fais l'émission? Je suis descendu, ils ont applaudi. Et c'est comme ça mon histoire a commencé. Et aujourd'hui, votre programme s'est vraiment diversifié. Vous offrez une gamme variée de produits, afro-musique, hit-parade, musique internationale et comédie, antenne libre, hit-parade américain, musique de la Caraïbe, R&B et rock, French, du blues au jazz. Là, je regarde le site internet de la Voix de l'Amérique, Afrique. Donc, vous offrez tous ces produits. Comment vous faites pour préparer toutes ces émissions? Et au début, d'abord, ce que je suis d'abord moi-même, comme je vous ai dit au début de cette émission, j'ai un studio audiovisuel chez moi à la maison. Je suis un amoureux de la musique. J'ai toujours été un amoureux de la musique, ce qui m'a facilité un peu la tâche. Et quand je dis amoureux de la musique, c'est vraiment la musique international, c'est tout le monde. Et connaissant notre pays, c'est un pays où la musique est un art beaucoup respecté chez nous en RDC. Donc du coup, j'étais imbibé depuis que j'étais jeune dans cette culture musicale, en quelque sorte. Mais j'écoutais aussi la musique américaine, je suis très informé sur la musique mondiale. Et du coup, je devais diversifier. L'heure, je suis, docteur Ngoma, la seule personne, le seul journaliste, je le dis, le seul journaliste parmi plus de 4000 employés de la Voix d'Amérique, je suis le seul à avoir une émission d'une heure, 7 jours sur 7, en direct. Le seul. Wow. Tout le monde, tous mes collègues journalistes, ils n'ont que 30 minutes par semaine. J'ai dit 30 minutes par semaine. Moi, j'ai une heure par jour, 7 jours sur 7. C'est le monde qui m'écoute. 7 jours sur 7. Alors là, nous fouillons un peu dans votre passé. Vers les années 2007, vous aviez produit quelques scènes de comédie, notamment Mobutu frappe Laurent Kunda avec M2 Production. Est-ce que c'est cet amour de la comédie et l'amour de la musique dont vous venez de parler qui ont motivé votre programme musique internationale et comédie? Je crois que oui, exactement. D'abord, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Complètement raison. Parce que je me dis, dans une émission comme celle-là, comme RM Show, on ne peut pas ne pas faire de la comédie. Les gens, vous savez, docteur Angoma, la Voix de l'Amérique, c'est d'abord une boîte de médias. Qui font que les news, les nouvelles. Les gens ont aussi besoin de se détendre un peu. Alors, à part la musique, à part ces sujets qu'on débat, socioculturels, et je dois souligner ici qu'on débat avec tout le monde, hein, les politiciens, l'homme de la rue, la maman qui vend les beignets au marché, et tout ça, c'est tout le monde qui écoute cette émission. Tout le monde.
qui écoute. Les politiciens passent dans cette émission. Les premières dames sont passées dans cette émission. Les premiers ministres, les présidents de l'Assemblée nationale sont passés dans cette émission. Continuent à passer dans cette émission. Je vous ai suivi avec Lokwa Kanza, avec Vital Kamerhe et tant d'autres compatriotes congolais. Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale à Abidjan, est passé dans cette émission. Il a même chanté dans RM Show. Et le lendemain, à Abidjan, tout le monde a écrit, les journaux sont sortis. Roger Mountou de la Voix de l'Amérique a fait chanter notre président de l'Assemblée nationale. Et Guillaume Soro, à la fin de l'émission, il a dit « Je ne savais jamais qu'il y avait des émissions pareilles. » Chaque fois qu'on me pose des questions, chaque fois qu'un journaliste m'appelle, je commence à paniquer. Mais je ne savais pas que je pouvais participer à une émission pareille dans ma vie et qui est animée par un Africain. Et ça, c'est ça l'idée de cette émission. Donc, pour répondre à votre question, quand on parlait de la comédie, oui, à la musique internationale, c'est ça l'une des idées. Oui, j'étais, même quand j'étais dans la high school, à l'école secondaire, au pays, j'étais un comédien, un artiste, un acteur. Et cela m'a beaucoup aidé dans ma carrière, je dois dire, d'animateur aussi. Alors, comment contribuez-vous à la promotion de la musique africaine à la Voix de l'Amérique? Nous venons de parler de Lokwa Kanza, mais vous recevez beaucoup d'autres, beaucoup d'artistes africains et même beaucoup d'artistes du monde. Comment faites-vous pour faire la promotion de la culture africaine? Parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, la musique africaine n'est pas très connue. La musique africaine n'est pas très connue. Et une bonne nouvelle, d'abord, avant que je ne réponde à cette question, c'est que pendant plus de 76 ans que la Voix de l'Amérique existe, à peu près 76 ans, la Voix de l'Amérique n'était pas autorisée par le gouvernement américain de diffuser aux États-Unis. Pendant toutes ces années, c'était interdit parce que les grandes chaînes comme les CNN, les NBC, toutes ces chaînes-là ne voulaient pas une compétition avec le gouvernement américain parce que nous travaillons pour le gouvernement américain. VOA, c'est une boîte du gouvernement américain. Alors, pendant toutes ces années, on n'était pas autorisé de diffuser ici. L'année passée, le Congrès américain a autorisé finalement la Voix de l'Amérique de diffuser aux États-Unis. Mais seulement, ça va prendre du temps parce qu'il y a des infrastructures qu'il faut aussi créer, qu'il faut préparer pour que cela arrive. Cela aiderait maintenant, pour répondre à la question, à cette culture américaine d'être aussi implantée facilement ici, aux États-Unis d'Amérique. Ça serait maintenant plus facile. Mais étant comme on est en ce moment déjà, la Voix de l'Amérique, de cette émission dans RM Show, nous faisons la promotion de plusieurs artistes, comme vous l'avez dit, des artistes internationaux, du monde, de l'Afrique d'abord, parce qu'ils ont cette plateforme qui a tous ces gens qui écoutent VO Afrique. Quand on joue votre chanson, mais vous atteignez des millions, des milliers de personnes qui vous écoutent en même temps, qui sont renseignées sur votre travail, sur votre CD. Si on a eu un Bilabel, d'ailleurs on l'aura encore dans deux semaines, on l'a eu il y a une année, et elle était tellement contente, elle a dit Roger, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes beaucoup écouté. Et quand vous faites ça, tout le monde est informé de savoir que Bilabel est encore là. Il y a des gens qui m'appellent et disent Roger, c'est vrai, Bilabel est encore là. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de médias qui diffusent leurs produits internationalement. Si vous ne pouvez pas passer à RFI en France, la Voix de l'Amérique, et si la Voix de l'Amérique vous fait passer, c'est exactement comme si vous passez sur RFI. Et c'est ça la facilité que moi je donne dans mes émissions à tous ces artistes, de faire passer leurs messages, de faire passer leurs actualités dans cette émission, sans payer un rond, sans payer un franc. Et d'ailleurs, d'après les sites internet Alexa, qui analyse les statistiques de l'internet, 28,3% des auditeurs de la Voix de l'Amérique sont ici aux États-Unis. Petit à petit, l'audience va commencer. La Voix de l'Amérique va commencer à avoir une audience ici aux États-Unis. Localement, oui, c'est vrai, parce que, docteur, vous êtes de là, vous avez dit, vous êtes comme moi, on vous a fait Haïti. Le Haïti a complètement changé, l'Information System Technology. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous, avec votre iPhone, dans votre voiture, les gens m'écoutent ici, les frères africains m'écoutent dans leur voiture, ici, avec leur application à iTunes, à TuneIn, ou je ne sais pas moi.
mais ils sont capables de nous écouter ici. Voilà un Africain qui vient, qui s'est dit, mais voilà, il n'y a pas de radio ici, mais moi j'ai quand même une app où je vais suivre les émissions de La Voix d'Amérique. Voilà, et comme c'est ce qui ajoute un peu ce pourcentage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vous écouter dans les véhicules, on peut vous écouter pendant qu'on travaille à la maison ou dans son bureau, on peut vous écouter pendant que pendant qu'on est en train d'enseigner, de s'exercer. C'est ça la beauté des nouvelles technologies de l'information. Aussi, vous avez une démographie favorable, cette génération de jeunes gens qui aiment bien les nouvelles technologies. Alors, vous venez de visiter la République démocratique du Congo, votre pays d'origine, que vous n'avez pas visité pendant au moins 28 ans. Exactement, 28 ans, ouais. Oui. Alors, à Kinshasa, vous aviez eu l'occasion de passer dans quelques chaînes de radio et de télévision de la place. Voudriez-vous nous parler un peu de cette expérience et aussi si vous pouvez comparer ces chaînes du pays, de Kinshasa, et je ne sais pas si vous avez été en dehors de la RDC, si vous pouvez aussi comparer nos chaînes africaines avec La Voix de l'Amérique. Vous aviez vous-même eu même l'occasion de co-animer une émission sur la radio Top Congo, je vous ai suivi. Donc essayez un peu de comparer votre expérience là. Merci beaucoup pour la question. Le voyage à Kinshasa après 28 ans était très significatif pour moi parce que 28 ans après, je rentrais chez moi dans mon pays d'origine, que j'aime tant, que j'adore tant. C'était très émouvant, surtout parce que j'ai perdu mes parents pendant que j'étais ici et je ne suis jamais rentré. C'était la première fois que je rentrais, même pour aller voir les tombes de mes parents. C'était, c'était très, très touchant, c'était très significatif et il fallait vraiment que La Voix de l'Amérique m'envoie là-bas pour aller travailler. Et la raison pour laquelle La Voix de l'Amérique m'a envoyé là-bas, c'était pour travailler avec nos partenaires B1, Top Congo FM et Raga FM. C'était pour travailler avec eux, pour aussi faire la promotion de nos produits de VO Afrique. Et je dois dire ici que j'ai été très, 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 très bien accueilli par les miens, les frères et sœurs congolais qui sont venus à l'aéroport. Beaucoup sont venus à l'aéroport pour m'accueillir. Et je me rappelle d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'aéroport, en sortant de l'avion, un policier m'a interpellé pour me dire « Monsieur, vous êtes Roger Montou ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent là dehors ?» Moi, j'ai dit « Mais je ne savais pas ». Et moi, je crois que c'était 5-10 personnes. Il dit « Non, il y a tellement de monde là. Et je dois vous dire que vous avez 15 minutes. » Et vous dites à toutes ces gentilles personnes de quitter l'aéroport parce que vous n'avez pas le droit de rassembler plus de 60 personnes. Vous devez avoir déjà une permission à l'hôtel de ville pour rassembler tous ces gens. Sinon, il faut dire à tout le monde de quitter. Donc c'est pour vous dire comment les gens sont venus m'accueillir. Et je dois dire merci à Top Congo FM, au fan club de Top Congo FM aussi, et aux gens, aux auditeurs de VO Afrique qui sont venus m'accueillir. L'expérience était super, super bien. J'étais très bien accueilli, très bien reçu, et vraiment j'apprécie cela. Alors, pour comparer les médias, oui, je suis allé, j'ai participé à plusieurs émissions où j'ai été invité à B1, à Télé 50, à Raga FM. J'ai travaillé à Top Congo FM chaque jour où je devais faire mes émissions que j'ai fait ici à Washington, mais je les faisais en direct de Kinshasa maintenant. Merci encore à la technologie et la technologie de la VOA qui m'a donné des appareils que je devais connecter avec le studio des Top Congo pour que je fasse des émissions en live en direct de Kinshasa et le monde me captait en direct de Kinshasa, ce qui était impeccable. Alors, j'ai été bien reçu, j'ai vu les locaux de toutes ces stations-là. Je dois dire que il y a un progrès dans ce côté-là des médias parce que quand j'ai vu One, mais ce sont vraiment des studios qui sont très très bien faits et avec le peu de moyens qu'ils ont, mais ils font des émissions impeccable. Et les journalistes, j'ai vu qu'ils travaillent là-bas, ils sont tellement bien, ils sont heureux, et ils travaillent bien, leurs émissions sont très bien produites. Vous sentez un changement. Quand moi j'ai quitté la RDC, comme j'ai dit, 28 ans, il n'y avait pas des médias pareils. Donc du coup, c'était un grand progrès. J'étais à Télé 50 aussi, qui a des studios impeccables.
Raga m'a fait visiter, les gens, les amis de Raga m'ont fait visiter leur studio partout. Ben, merci aux managers de Raga FM. Ils m'ont fait visiter toute la maison. J'ai vu des collègues, comment ils sont en train de travailler. Mais vraiment, j'ai senti un progrès. Top Congo FM, n'en parlons même pas. J'ai inauguré un studio là-bas. Quand je venais d'arriver, ils ont construit un studio que moi, je devais inaugurer. C'est Christian Lusakweno. C'est Christian Lusakweno, voilà, exactement. C'est Christian Lusakweno, qui je salue aussi. Et je remercie d'ailleurs pour cet accueil qui m'a réservé à Kinshasa. C'est un accueil chaleureux. Et il m'a donné un studio que j'ai inauguré. Mais ils ont des studios impeccables en RDC. Ils font un travail de titan en RDC. Top Congo FM est très bien suivi, très bien écouté. Et je dois dire ici, depuis que mon émission RM Show passe sur Top Congo FM, ça passait déjà sur Raga FM, mais depuis que ça passe aussi sur Top Congo FM, mais l'audience à Kinshasa a quadruplé, je dois le dire. Beaucoup d'amis, des frères et sœurs, des petits frères m'écoutent aujourd'hui sur Top Congo FM et tu sens la différence, tu sens une croissance en audimat. Et voilà. Donc, comparer un peu avec la Voix d'Amérique, ce serait difficile. La Voix d'Amérique, c'est un géant quand même. Ils n'ont pas les moyens, nos chaînes du pays n'ont pas l'argent, n'ont pas les moyens que le gouvernement américain met à la disposition de la Voix de l'Amérique. Non, la Voix d'Amérique, le budget de la Voix d'Amérique est énorme. Mmh. Énorme. C'est, je ne sais même pas comment décrire ça. C'est énorme. Et ça, c'est un budget qui est voté chaque année. Donc, chaque année, il y a ce budget-là qui est voté. Donc, je ne sais même pas par où commencer pour comparer. Alors, dans la diaspora, dans notre diaspora, il y a absence de représentation de ces radios et chaînes du pays, telles que la Radio Okapi, Top Congo, Congo Web, RTNC, Télésud, Raga. L'espace audiovisuel est entre les mains de blogueurs, des indépendants. C'est vrai que avoir des correspondants à l'étranger demande de moyens. Mmh. La Voix de l'Amérique a beaucoup de correspondants à travers le monde. Dans le passé, il y avait des correspondants comme Ferdinand Ferrella, il y avait même Kamanda, Feu Kamanda Mutombe. Mmh. Avez-vous une idée sur les raisons qui sont, une idée sur l'absence de la représentation des chaînes des radios et des télévisions congolaises à l'étranger? Vous avez si bien dit, je crois, une des plus grandes raisons, c'est avoir ses correspondants ici, parce que une maison de médias, quand vous avez vraiment de moyens robustes, vous pouvez vous représenter à l'étranger. Par exemple, ici aux États-Unis, ici à Washington, à New York, où les nouvelles viennent chaque jour, avoir une, ne plus qu'une personne, comme toutes ces chaînes internationales. Et les Congolais, compétences sont là, sans vous interrompre. Oui, les compétences sont là. Le Congolais est... Moi, je suis fatigué d'entendre des gens toujours qui réduisent l'intelligence, qui minimise l'intelligence du Congolais. Le Congolais est très, très intelligent et très capable. Et ils sont partout dans le monde. Nous sommes partout. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, nous sommes partout. Trouvez une personne qui soit votée, qui soit... Et les correspondants, c'est pas comme si ce qu'on leur paye, c'est pas beaucoup qu'on paye aux correspondants. Vous trouvez un correspondant, vous le payez, mais peut-être par papier, par pige, par reportage, qu'en sais-je. Cela faciliterait beaucoup ces médias-là. Mais pour une raison ou une autre, ils ne font pas cela. Je ne sais pas si les nouvelles internationales ou la représentation internationale ne les intéresse pas tellement. Ça, c'est à eux de le dire. Alors que c'est là un moyen de professionnaliser leur... Bien sûr. Leur métier et aussi de les rendre plus professionnels, je veux dire, mais aussi de conquérir cet espace international qui en principe actuellement avec la globalisation
On doit être partout, on doit être présent partout, et il est inacceptable qu'on soit présent à Kinshasa et absent à l'extérieur du pays. Et tout ce qui passe, tout ce qui se passe à l'étranger, ce sont des indépendants qui récoltent l'information, la traitent à leur manière, peut-être avec moins de professionnalisme, et la diffusent sur l'Internet. Et alors que c'est là les métiers de ces organes mieux structurés. Exactement. Et la technologie aujourd'hui, comme on l'a dit, favorise ou facilite, je dois dire, facilite. Si moi je fais une, si je représente Dr Sylvestre Ngoma ici à Washington, je représente Congo Vision et Dr Ngoma m'appelle Roger ici à Washington. Qu'est-ce qui se passe au Sénat? C'est juste moi, je parle au téléphone, on enregistre ou je fais un petit reportage en mon iPhone et j'envoie le son. Voilà, Roger Moutou pour la part de Congo Vision à Washington. C'est aussi facile que ça. Et on sent qu'un produit de plus sur les médias. C'est comme ça que ça se passe. La technologie est très facile aujourd'hui. Voilà. Et nous saisissons l'occasion pour féliciter nos compatriotes qui font ces métiers ici aux États-Unis. Les cas de Gary Wele avec le Bacolo State. Nous avons Marius Mbunga et aussi Monsieur Abraham Lwakabwanga Mulumba de Code 243. Qui font du bon travail ici. Alors, une question personnelle là. Vous êtes dans un pays anglophone. Comment vous faites pour avoir cette bonne maîtrise de la langue de Molière? Ah, déjà, c'est une très très bonne question. D'abord, allant d'abord de ma famille, j'ai été élevé dans une famille où mon père exiger à ce qu'on parle français, à part toutes les autres langues qu'on parle à la maison, à part le français, je parle le Tchiluba, je parle le Swahili, je parle un peu de Kikongo, et je parle aussi le voilà, Swahili, Tchiluba et le Lingala, voilà, exactement. Mais le français, c'était exigé par mes parents, alors à plus mon père qui, dans le temps, m'exigeait, de, comme tout parent, africain m'exigeait de faire le droit, il voulait que je sois un avocat comme lui. Lui, il était un avocat, et il voulait que je sois avocat comme lui. Et du coup, il voulait que je fasse des études littéraires. Donc, j'ai fait le latin philo, qui m'a aussi aidé dans de parler comme je parle aujourd'hui. Et après toutes ces années de 28 ans passées chez les États-Unis, j'espère que je parle encore un peu le français. Le latin philo à Kinshasa. J'ai fait le latin philo. Pas à Kinshasa, mais à Kananga, là où mon père allait. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa, au Flamboyant, à Gombe. Et quand je suis allé au secondaire, j'ai fait 2 ans à l'Athénée de la Gombe. Et puis, comme tout garçon, j'étais un peu turbulent. Mon père a dit, voilà, maintenant tu vas aller là où moi je suis allé à l'école, qui est dans la brousse, chez les prêtres. Et ils m'ont envoyé à Kananga, c'est là où j'ai fait le latin philo. Voilà. Un produit de l'Église catholique. Exactement. Voilà. Je suis passé par les écoles catholiques moi-même, école primaire catholique, secondaire catholique, et puis je fais l'IPN avant de venir ici. Ah, d'accord. Ah, l'IPN. Moi, j'habitais à l'IPN, en fait. Oui. Ah, bon. Donc, moi, je fais l'IPN. J'ai fini en 96 avec une licence en anglais. J'étais retenu assistant, d'ailleurs. Oh, wow. Assistant avant de venir ici. Wow. Alors, parlez-nous un peu de ce qui vous a influencé pour faire le journalisme. Parce qu'à Kinshasa, nous, on avait l'habitude de suivre des gens comme Kwebe Kimpele, comme... comment il s'appelle encore l'autre là, très bon, le monsieur qui a lancé sa propre chaîne, Kibambi Shintua. Voilà, Kibambi Shintua. On avait l'habitude de suivre ces gens-là, les Mwanda Makoso. Qui vous a influencé, vous? Mais tous ces gens que vous avez cités, c'était des modèles pour nous. Et aujourd'hui, je crois que la RDC devait reconnaître tous ces grands journalistes. Ils sont nombreux et qui sont passés par là. Et c'était des modèles pour nous. Mais je ne peux pas dire ici que moi, je me suis référé à eux pour faire du journalisme. Le journalisme, je ne pensais même pas faire ça. Et je me suis décidé de faire le journalisme parce que j'avais construit mon propre studio audiovisuel et je voulais faire la promotion de mes produits pour que les gens viennent enregistrer dans mon studio. Wow. Alors, pour que cela marche, je me suis dit, j'ai eu l'idée de faire le journalisme et de faire des émissions, de créer des émissions pour que les gens soient informés
à propos de mon studio et qui viennent et que j'ai beaucoup de clients. C'est comme ça que je me suis lancé. Mais sinon, je me suis jamais basé chez une personne pour me dire, voilà, je vais être comme lui ou c'est mon modèle, je vais suivre cela. Non, pas du tout. Et là vous avez lancé votre studio en quelle année? J'ai lancé mon studio, c'était pour être plus précis, en 1989. Oh là là, mais ça c'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Nous, on a vu le pionnier du net, quoi. Depuis longtemps, on vous a suivi. On a suivi les Gary Welley, on a suivi les autres. Moi, j'ai lancé Congo Vision en 1999. Wow. 99, quand j'étais encore dans l'état de Vermont. Ouais, et le site internet a été officiellement lancé en 2000, au mois de mars, précisément. Donc nous sommes là depuis plus ou moins 16 ans. Moi, vous dites, docteur, que vous êtes aussi un pionnier, parce que moi, nous tous, on connaissait déjà Congo Vision, qui était un des pionniers, un des sites qui commençait, des Congolais, qui représentait déjà les Congolais de la diaspora. Et pour nous, c'était une fierté de savoir qu'il y avait ce site-là, de la presse écrite déjà, parce qu'il faut le dire, voilà. c'est pas tous les collègues journalistes congolais qui écrivent, et déjà avoir une presse écrite sur le site, vous êtes un des pionniers. Nous, on était là, oui, on faisait la télé, mais avoir un endroit, moi qui vous parle ici, je me suis référé plusieurs fois à Congo Vision pour aller lire des informations avant de diffuser quoi que ce soit. Donc ça nous a beaucoup aidé nous-mêmes. C'est pourquoi c'est tellement important et essentiel d'avoir aussi un site avec la presse écrite. Parce que moi, en tant que journaliste qui parle, je peux aller à Congo Vision, voir qu'est-ce que Congo Vision a dit. Congo Vision qui est une source, trustworthy. Une source à laquelle on peut avoir confiance. Voilà. Hein, une source, c'est un mot que je cherche vraiment, que j'aimerais dire, mais ça va revenir. Mais ça nous aide, ça nous a aidé, ça continue à nous aider, et c'est ça le travail aussi qui doit être reconnu mondialement, et surtout par nous, les Congolais de la diaspora. Savoir apprécier cela, et savoir qu'on Congo Vision est là. Moi je vous dis sincèrement, que je faisais le M tout chaud, mais j'allais Congo Vision, voir qu'est-ce qu'il y a là, quel update il y a. Et je dois vous dire aussi sincèrement que quand il n'y avait pas d'update là-bas, ça m'énervait des fois, parce que ça devenait un peu part of me, ça devenait un peu ma own thing, ma source. Et si j'allais là-bas et qu'il y avait un retard d'information qui n'était pas encore là, je me disais aïe, aïe, aïe. Donc, et parce que surtout que c'est bien écrit, c'est bien rédigé, et donc du coup je peux m'inspirer de ça, et prendre cette information-là, et diffuser cela, étant sûr que cette information que je diffuse est sûre et certaine. Et c'est difficile de garder un site internet updated, surtout quand on est enseignant, comme je le suis, et à tout moment on doit préparer. Je maintenais les sites internet aussi de l'école où j'enseigne, je continue à enseigner, et puis maintenir le site de Congo Vision aussi, c'était pas facile. Alors, quelles sont les qualités d'un bon animateur de la radio ou d'un journaliste à la radio? Quels conseils avez-vous pour nos compatriotes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour parfaire leur production audiovisuelle? Je suis beaucoup de Congolais. Je me rends compte que il y a quelque chose qui manque parfois sur le plan de l'objectivité, sur le plan de la compréhension des conséquences des histoires diffusées, les accuracy de l'information. Quel conseil avez-vous à donner à nos compatriotes? Alors, un conseil, c'est l'objectivité, comme vous venez de dire, très important d'être objectif, et puis la sincérité, le respect des auditeurs ou des téléspectateurs qui nous regardent, et surtout d'être soi-même, de rester soi-même. Nous ne venons pas... vous savez, docteur Ngoma, je suis... Il y a des pays en Afrique que moi, je ne peux même pas marcher. Et si les gens savent que je vais là-bas, ça sera une débandade totale. Mais il faut qu'on sache que ce n'est pas nous qui faisons ce que nous sommes, ce sont ces gens qui nous écoutent. Donc le minimum de respect qu'on doit donner à ces gens-là, c'est très important.
Et quand je dis on doit rester soi-même, c'est que on nous donne pas des plateformes pour nous pour faire notre publicité à nous. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des travailleurs pour ces gens-là. Ces gens-là qui nous écoutent, ce sont en fait nos patrons numéro un. Ce sont eux. Et on doit se rendre compte de ça. On doit se rendre compte que nous sommes des serviteurs. Notre boulot en tant qu'animateur, c'est pour servir ces gens-là qui nous captent. Alors, vous devez avoir des lignes de conduite qui sont respectables. Il faut savoir dire aussi, même ceux-là, des collègues qui ont des émissions sur les nets et tout ça. D'abord, si j'ai une émission qui s'appelle M Too Show, et j'ai dit que cette émission, c'est une émission de, je dois savoir dire, c'est une émission de 30 minutes, une émission d'une heure. Pas une émission où je viens, je vous fais deux minutes, là, j'ai fini, ou demain, je viens, je fais deux heures. C'est incontrôlable, ce n'est pas respecter l'auditeur. Déjà, on commence par là. Quand les collègues font des émissions, ils font des émissions de deux heures. Je ne peux pas rester, moi, deux heures à écouter de n'importe quoi. Et surtout, si dans ces deux heures-là, vous, en tant que journaliste ou animateur, vous êtes là en train de vous louer d'abord. Dites ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes le plus gros journaliste du monde. Je ne viens pas pour écouter tout ça. C'est ma banga. C'est ma banga. Je suis l'homme le plus entendu dans le monde. L'autoglorification, déesse de la presse, pharaon de la presse, Jésus. Jésus de la presse, Dieu de la presse qui a créé ça. Je ne viens pas perdre mon temps pour tout ça. Je viens écouter quelle information tu vas me donner et je pars. Et à moi de juger si tu es vraiment un bon journaliste, un bon animateur ou pas. C'est à moi en tant que auditeur ou téléspectateur. Donc, nos collègues doivent savoir cela, que ça ne sert à rien. Les gens reconnaîtront en vous vos qualités si vous restez soi-même, comme vous êtes. Être objectif quand vous êtes en train de parler d'un artiste. Non plus, il ne faut pas poser des questions ou jeter des fleurs à cet artiste-là. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous, c'est de venir et dire la vérité. Si un tel chanteur a vendu 40 CD, on vient dire qu'il a vendu 40 CD et on n'a pas, on en parle. On ne vient pas dire 2 millions de CD quand il a vendu 40. C'est du mensonge. C'est du mensonge, complètement. Et pendant ce temps, l'artiste est là avec vous et il ne dit pas que c'est faux. Il est d'accord avec vous et ça passe. Ça, pour moi, c'est misleading, tromper la population, tromper nos auditeurs et téléspectateurs. Et parfois, on donne des titres qui ne correspondent pas, correspondent pas avec la réalité, avec les contenus. C'est aussi une autre chose. Et parfois, des titres qui insultent, qui ne tiennent pas compte des responsabilités légales. Responsabilités légales pour attirer les gens, pour attirer le nombre de viewers. C'est manque de créativité. Parce que si vous interviewez un artiste, vous pouvez trouver un titre à partir de ce que vous avez interviewé cet artiste-là. Moi, j'ai vu vraiment des sujets, des titres qui n'ont rien à voir avec l'interview. Hein. On vous dit Kabila dit qu'il ne va plus se représenter aux élections 2016. Et l'interview, c'est l'interview de Werrason. Rien à voir. Et du coup, les personnes commencent à cliquer pour voir. Et you have many views. Des photos, on utilise même des photos qui sont misleading. Mais voilà. Juste pour avoir vu. Et moi, je crois que ça, c'est la malhonnêteté professionnelle. Moi, je ne serai jamais comme ça. C'est pas mon but. Les gens ne me verront jamais ainsi. Et quelque part, cela... Moi, je n'ai jamais été comme ça, mais Dieu aidant, avec le peu que je faisais, tout ce que je faisais, mon honnêteté m'a amené là où je suis aujourd'hui. Oui, c'est dans les professionnels, c'est les professionnalismes qui payent, ce n'est pas ce genre de pratique qui paye. Nous allons finir bientôt. À travers votre programme des détentes, comment faites-vous pour sensibiliser le monde sur les problèmes qui minent le continent africain, notamment les génocides chez nous au Congo, ou les massacres chez nous, les diamants, les coltans du sang, les terrorismes, les déplacements massifs des populations. Est-ce qu'il vous arrive de sensibiliser l'opinion internationale sur ces sujets, sur le drame qui s'est produit en Afrique? Alors, si vous regardez dans mes émissions le mardi, on a ce qu'on appelle antenne libre. Chaque mardi, dans Antenne Libre, on propose, ou les auditeurs ou les téléspectateurs proposent des sujets qu'on va débattre. Ça peut être un sujet complètement intellectuel.
ou ça peut être un sujet terre à terre. Il n'y a pas de problème, parce que RM Show, c'est ouvert à tout le monde. Alors ces sujets-là, ce sont des sujets pour sensibiliser les gens. On ne fait pas ça pour le fun, on ne fait pas ça pour se moquer de qui que ce soit, mais on fait ça pour que cela sensibilise, amène des gens à nous écouter. Écoutez, chaque fois que moi je fais une émission, je dois vous rassurer ici que le département d'État américain m'écoute. Et vous enregistre. D'office. Oui. Et d'office. Et c'est tout le monde qui nous écoute, et c'est le monde qui nous écoute. Et c'est d'autres médias qui nous écoutent. Et c'est d'autres gouvernements qui nous écoutent. Il y a des présidents, des head of states qui nous écoutent. Chaque jour. Alors du coup, si je dois faire un sujet, je dis, voilà, le génocide au Rwanda, cause, qu'en pensez-vous? Ça, c'est une question. Et c'est une question qui doit être posée généralement. Maintenant, on va débattre, on va inviter des professionnels, on va inviter des gens qui s'y connaissent en cette matière-là, parce que moi, quand je propose des sujets, c'est pas à moi de donner des réponses. Je ne suis qu'un facilitateur, je ne propose que ma plateforme pour qu'on en parle et que les gens puissent débattre. En tout respect, hein, entre mutuel respect et tout ça, on ne vient pas insulter des gens. Vous insultez, on vous coupe. Vous êtes parti, c'est fini, on ne reçoit plus. On reçoit des autres. C'est ça l'idée, parce que quand on a une plateforme où on peut discuter en tout respect, on saura des vérités. Il y a des vérités qui vont sortir dans cette émission-là. Et c'est ça. Choc des idées jaillit la lumière. Et exactement, c'est comme ça que ça se dit. Très important. Alors, chaque mardi, on propose un sujet. Ce sujet, docteur Sylvestre, dure toute une semaine. Quand j'ai dit on va parler de coltan mardi, on va parler de coltan mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on finit avec ce sujet-là lundi. Lundi, on donne la conclusion sur ces coltans. Mardi, on entend un autre sujet. Alors, moi, je vais vous proposer de voir un peu comment, quand vous êtes à la jonction de deux cultures, la culture africaine et la culture américaine, voir un peu comment les Africains peuvent mieux, disons, comme la musique américaine est très connue chez nous, mais la musique africaine n'est pas connue ici, voir un peu comment amener les deux peuples à mieux se connaître. Parce que ici, par exemple, vous voyez, il y a une sorte de contradiction culturelle. Hein. Il y a, par exemple, l'adoption des habitudes vestimentaire de chez nous, vous allez voir certaines personnes qui s'habillent, certains Américains qui s'habillent comme des Africains. Vous verrez des Américains qui veulent visiter les continents américains ou qui adoptent les noms des Africains, Kenya, Nigeria, Zaïre. Vous avez il y a une fascination parfois platonique pour les continents africains. Mais en même temps, il y a rejet de tout ce qui est africain chez certains Américains. Il y a même une méconnaissance de la culture africaine et même un refus de s'identifier à l'Afrique, à la culture africaine et à son peuple. Donc il faut briser ce genre de contradictions culturelles. Donc c'est aussi ça le rôle de médias. Effectivement, c'est aussi ça le rôle de médias, ça c'est vrai. Et moi, j'apprécie beaucoup ce sujet-là et je crois qu'on va en parler, c'est très important. Mais n'oublions pas aussi, peut-être qu'on ne débat pas ce sujet maintenant, on va laisser tout le monde. Mais pour juste répondre un peu peut-être à cette question-là, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que les États-Unis, quand on compare avec l'Afrique, les États-Unis c'est une très grande puissance. C'est la première grande puissance. Et quand on parle puissance en tout, même en musique. Et donc, du coup, même en médias. Donc, ces gens, ils mettent de l'argent dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu vas au village là-bas, à Kasumbalesa, à Goma, au village là-bas, à Katana, ou à Kananga, ou à Mbujimayi, ou à n'importe où, au Congo, tu vas trouver un petit garçon qui porte un petit t-shirt avec le nom et la photo de Michael Jackson dessus. Wow. Ici aux États-Unis, tu ne vas pas voir un petit garçon à Atlanta là-bas qui porte Werason. Pas du tout. Pas du tout.
Au moins, ils connaissent Mandela, j'ai l'habitude. Au moins, ils connaissent Mandela, Ils voilà. connaissent Mandela. Ils connaissent très peu, en tout cas, de musiciens africains, même quand vous leur parlez Exactement. de notre musique. Une fois, disons, à l'école secondaire où j'enseigne, un des élèves a demandé que je joue un peu la musique africaine. Ils ont dit, votre musique, nous ne voulons pas de votre musique, il faut écouter la musique américaine. J'ai dit, non, 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 c'est parce que vous ne connaissez pas cette musique-là. Alors, ils ont dit, bon, donnez-nous, jouez-nous quelque chose. Alors, j'ai joué une vidéo d'un musicien de chez nous, mais tous les musiciens avaient de pantalons très serrés. Alors, la remarque de mes élèves était un peu intéressante. Ils ont dit, mais est-ce qu'ils sont tous de... Vous comprenez un peu? Je comprends. Alors j'ai dit non, 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 c'est le style. Ils ont dit ah, c'est le style là-bas, mais ici ça signifie autre chose. Voilà l'exemple. Et c'est la question aussi, on vient en parlant. Très intéressant. Alors, nous allons finir, monsieur Roger Montou. C'était vraiment, vraiment un plaisir de vous avoir. À cette émission de ce samedi 9 avril 2016, votre mot de la fin. Mot de la fin, c'est d'abord de vous dire, docteur Sylvestre Ngoma, merci infiniment pour ce que vous faites avec Congo Vision pour nous informer, pour garder surtout encore plus les Congolais de la diaspora ensemble et être informés et aussi nous donner une plateforme pour que les gens puissent nous écouter comme vous le faites maintenant aujourd'hui dans cette émission. Vous êtes beaucoup suivis et beaucoup appréciés aussi. D'abord, c'est de vous dire vraiment, vraiment merci infiniment et aussi de prêcher l'amour à notre peuple. Je suis américain, oui, vous l'avez dit, naturalisé, mais je suis congolais d'origine. À notre peuple qui nous suit à travers vos médias, de se rappeler qu'on doit s'aimer pour que notre pays soit fort, pour qu'il n'y ait pas tout ce qu'on tous ces fléaux qu'on a dans notre pays, pour qu'on soit un, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on s'aime, mais vraiment s'aimer sincèrement, parce que tout ne va commencer à changer dans ce pays que quand on va sincèrement s'aimer, comme mon frère docteur Ngoma qui m'appelle aujourd'hui pour me donner de l'espace pour parler dans sa chaîne, sans que je ne paye un franc, mais parce que il sait qu'il y a un Congolais qui est là-bas, qui est en train de faire notre fierté, je veux lui donner une plateforme. Que ça serait déjà un début de beaucoup de choses. Donc je vous dis merci beaucoup. Merci Monsieur Roger Montou d'avoir accepté notre invitation et nous remercions tous les auditeurs de Congo Vision qui ont eu l'occasion de suivre cet élément ou qui vont avoir l'occasion de suivre cet élément. Continuer à nous faire confiance et à tous les amis de la presse, nous disons prior planning prevents poor performance. Alors, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.